Ça y est, on se retrouve pour un nouveau message. On montre une femme à la peau foncée, avec un afro. J'entends que la couleur, c'est la même que celle de la vidéo. Et on me montre aussi cet aspect de danse sur la femme en question. J'entends cheveux foncés et ondulés, mais afro. On me montre aussi cette saison de l'hiver. Il est possible que l'intro ne vous parle pas, surtout si vous êtes un homme qui regardait la vidéo. Regardez, voir comment la suite de la guidance vous parle. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Alors, j'ai un homme ici qui peut se sentir bloqué, mais on me montre cette... Dans ma bouche, ça sortait sortie prochaine. Vous vous sentez bloqué en ce moment, mais la sortie est proche. J'entends avant l'été. Peut-être ici que vous quittez votre situation... Vous quittez une situation d'emprise. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tenait par les bonbons ici. J'entends avant l'été. Mais pour moi, c'est pas la femme que j'ai décrite en intro, hein. C'est une autre personne. Alors ici, je ressens qu'il y a beaucoup d'opportunités autour de vous, sentimentales. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opportunités autour de vous, sentimentales, sexuelles également. Il y a cette idée de fête. Mais j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas. Je vous ressens un peu blasé par ces opportunités. C'est comme si c'était du déjà vu. Je vous ressens blasé par ces opportunités. C'est comme si c'était du déjà vu. En plus, vous avez des personnes qui vous approchent et qui ne sont pas forcément sincères. Et je ressens que la personne que vous quittez, vous voyez, qui vous tenait par les bonbons, est très fâchée. Hein, parce que vous aviez un potentiel. J'entends qu'elle voulait garder. Je sais pas pourquoi on me montre votre voiture. Hein. Et vous voyez, c'est comme si cette personne se sentait dépossédée de quelque chose qui vous appartient de base. J'ai envie de dire votre essence. Mais pas l'essence de la voiture. Hein. Votre énergie, votre lumière. J'entends Kevin. On montre ici que le roi est seul. Vous êtes quand même accompagné sur le plan amical. Et j'ai l'impression que vous aurez plusieurs opportunités sentimentales, un choix entre plusieurs personnes. On vous dit quand même attention, hein, parmi les choix. C'est fou, hein, je ressens vraiment des personnes intéressées, mais vraiment intéressées. La démarche n'est pas sentimentale. Hein. Il y a un intérêt derrière, peut-être égotique. Vous voyez, ça flatte l'ego des femmes en question.
où il y a l'envie de possession. Donc soyez prudent. Et je sais pas pourquoi, mais là, alors c'est bizarre, j'entends aval. J'entends ce mot aval. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est pas l'aval, l'autorisation. C'est aval, avaler. Là, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est en approche en ce moment autour de vous. Avant même que j'ai fini ma phrase, on m'envoyait un canal diable. Mais c'est pas la personne qui vous tenait. Hein. Là, c'est une autre opportunité. Et on vous demande de faire attention à ce qu'une autre clé en bois ne rentre pas dans la serrure. J'ai l'impression ici que la priorité, c'est de vous occuper, je voulais dire, de vos cheveux. Je voulais dire de votre santé, mais en canal, on m'envoyait vos cheveux, et dans ma bouche, ça sortait vos cheveux. On me montre qu'il y a, j'allais dire, du rabotage à faire dans vos cheveux, pour couper les énergies anciennes. Parce que dans les cheveux aussi, il y a de la mémoire. Mémoire énergétique. On vous demande pas de tout couper, mais de tailler assez régulièrement pour vous délester de charges obsolètes. Alors ici, je ressens un voyage prochain. Il y a cette idée de bateau, de mer. J'entends la Caraïbe. Et pour moi, c'est une bonne chose parce que j'avais même pas vu que cette carte était retournée. Cette carte, bien cachée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'emprise. Alors c'est bien parce que ça va vous permettre de vous reposer, de profiter de la mer, de méditer. Ah, c'est bien ça. Si vous pouvez méditer sur le sable à la mer, c'est une bonne chose. De vous mettre dans un endroit calme, calme et sécurisé. On montre aussi que vous avez cette capacité à transmuter certaines choses par vous-même. Je ressens une personnalité assez solitaire. J'entends des cheveux foncés. Et j'ai l'impression que vous retournez dans la maison familiale, ici. On vous dit quand même attention parce que là-bas, je vous remontre encore la carte. Vous voyez ici, là, vous avez des personnes quand même aux énergies toxiques qui sont dans le décor et qui vous regardent. Et il y a cette idée de malveillance et de jalousie par rapport à votre art ici. Parce qu'on me montre cette idée que vous êtes autonome, indépendant. J'allais dire, vous êtes en roue libre. Vous ne faites pas comme les autres et ça vous réussit. Et du coup, il y a cette idée de jalousie ou d'envie. Donc faites attention. Je ne sais pas pourquoi on me montre une arme là, chez vous. Alors, c'est bizarre parce que vous voyez, on m'envoie cette idée de... Je ne sais pas pourquoi j'entends cadenas.
On m'envoyait cette idée d'arme, on montrait l'arme, et là, vous voyez, avec cette carte, on m'envoyait cette idée de séquestration, c'est un peu bizarre. Alors, je sais pas pourquoi on me montre cette idée, je le ressens pas comme une prédiction, mais faites attention. Peut-être qu'il y a des énergies à couper dans ce sens. Hein. Vous voyez, des énergies de braquage, énergies de séquestration. Que ce soit pour vous ou la, j'allais dire, la descendance. Les ancêtres, non. Enfin, des choses que vous pourriez transmuter pour votre lignée, ici. Par contre, là, il faut vous faire aider par une femme. Alors sur Instagram, vous avez toujours la possibilité de faire des recherches. Alors c'est drôle parce qu'on me montre que vous allez faire le nécessaire. Le nécessaire et le guide, j'allais dire le guide confirme. C'est comme si vous alliez... J'ai le guide qui confirme, mais c'est comme si vous alliez tailler un nouveau vous ici. Et on me montre que la femme dont j'ai parlé en intro, on me montre cet aspect de danse et d'art sur la femme en question. Et que cette personne, d'une certaine manière, est en attente. Alors, pas dans une attente passive. On me montre cette idée que vous souhaiteriez, oh, j'allais dire joindre, venir à cette personne. Il y a un bruit qui retentit. Je sais pas pourquoi on me montre le 13. Alors, j'ai pas de contre-indication par rapport au fait de joindre cette personne. J'ai l'impression que vous devez d'abord régler certaines choses. On me montre que vous ne savez pas comment aborder la chose, peut-être. Je sais pas pourquoi on me montre un écran. Peut-être les réseaux. J'ai vraiment de la réflexion par rapport à de l'écriture, vous voyez, savoir quoi dire. Alors, je pense pas qu'il y aura du jugement de la part de cette personne. Ou peut-être, on me montre aussi cette idée de, j'allais dire, de chanson. Peut-être que vous envisagez de... Alors, c'est bizarre, j'entends ce mot code. J'entends ce mot code, mais je peux pas... J'entends ce mot code, mais moi-même, je vois pas quoi vous dire. Parce que j'ai pas plus d'infos, là. Qu'est-ce qu'on peut me donner de plus, là? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un rébus, là. Alors, les cartes qui sont tombées... J'ai quand même cette idée d'une prise de contact. Prise de contact par les réseaux. Peut-être quelque chose que vous montrez. Peut-être quelque chose que vous montrez et du coup, il y a une réaction. Alors, c'est drôle parce que je vous dis ça, je vous dis peut-être, mais en même temps, c'est fou parce que je vous dis peut-être, mais en même temps, on attire mon regard sur les... Vous voyez les personnages dans le fond, là, qui regardent. J'entends une story. Donc, peut-être sur Instagram, on montre qu'il est possible que cette personne voit le message ou voit ce que vous montrez. Encore une fois, j'ai pas de temporalité, là.
Donc j'ai envie de dire que vous pourriez connecter sur les réseaux. J'ai envie de dire que vous pourriez connecter sur les réseaux avec cette personne. La danseuse. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. À quart du dessus. Vous voyez, on insiste sur ce personnage-là. Est-ce que c'est la coupe exacte? Alors, est-ce que c'est la coupe exacte? J'ai au moins cette idée de nature de cheveux. Parce que ça va dépendre des cas, là. Soit c'est très dense, ou alors c'est assez ras. Soit c'est très dense, ou alors c'est... très court ou rasé. Je sais pas pourquoi je vous sens très énervé là. Mais pour moi c'est, je sais pas pourquoi il y a le 13 ici qui ressort très fortement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai presque envie de dire de porter attention. J'ai presque envie de vous dire de faire attention au mois de janvier sur cette période. On vous dit ici quand même qu'il y a quand même plus important dans le sens où il faut vous occuper de votre santé, d'aller chez le médecin si vous en ressentez besoin. Je sais pas, est-ce qu'on a d'autres infos là pour la connexion? Parce que je franchement j'ai pas plus d'infos à vous donner. La seule chose qu'on me remontre encore, c'est de l'écrit. Et qu'il y a une connexion via les réseaux. Et que c'est quelqu'un qui regarde, qui peut regarder, vous voyez, ce. J'allais dire cette story. Alors, est-ce que vous allez la reconnaître? Est-ce que vous allez reconnaître cette personne? Pas sûr. Pas sûr parce que j'ai l'impression que vous êtes soit très occupé ou alors vous avez beaucoup de messages en attente. Peut-être que le mieux, ça reste de venir à cette personne, c'est la carte du dessus. Après, la meilleure solution, ça reste, j'entends, de téléphoner. Parce que j'ai l'impression que vous essayez déjà de venir à cette personne. Donc pour moi, vous la connaissez déjà. Et j'ai pas plus d'infos. Bon. Bon, l'urgence, ça reste quand même votre santé, non? Vous allez dire que je me redis, mais soyez vigilants quand même dans vos relations sexuelles parce que je ressens des personnes qui sont, vous voyez, très intéressées et qui pourraient vous faire, vous voyez, un coup bas. Vous plantez un couteau dans le dos avec un enfant, quelque chose comme ça, quoi. Et un bruit qui retentit. Avec un enfant qui ne serait pas désiré. Encore un bruit. Ou pas avec la personne. Parce que tout à l'heure, dans l'énergie des personnes qui vous tournent autour, je ressentais vraiment des femmes qui cherchaient à vous harponner. Dont une qui est assez proche de vous. Après, on me donnait pas de contexte par rapport à la femme en question. Savoir si c'est une amie ou si c'est une collègue ou une connaissance. On ne donne pas plus d'informations. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.